Commotion cérébrale. Croyant sa sœur morte, impuissant, sans les rats, Hugo attaque le comte qui s'empare de lui. Le comte annonce à Arnaud qu'il fera de l'enfant le fer de lance de son armée de conquête. Acculé, Arnaud choisit de fuir, sautant par-dessus bord avec Amicia inconsciente. C'est parti, let's go. Sois maudit, espèce de sale porc! Ne crie pas. Pour la douleur, on s'en sert sur les champs de bataille. Hugo! Je suis désolé. J'ai rien pu faire. C'était le plongeon ou la mort pour nous deux. On doit aller le chercher. Le comte sait de quoi Hugo est capable. Il faut le retrouver avant qu'il ne fasse souffrir encore plus. Partons. Sophia et Lucas sont partis devant pour trouver des chevaux. Serre les dents. Bon sang. Je sais. Accroche-toi. Ça fera vite effet. Le comte, il a dit quelque chose? Tu lui as brisé le cœur et maintenant il veut la guerre. Il compte utiliser ton frère pour conquérir le monde. Il ne restera plus rien à conquérir. Je sais. Non mais regardez-moi ce joli coucher de soleil, je crois. Je pense. Non, attendez. Non mais je suis bête. Le soleil se lève à l'ouest et se couche, donc c'est un lever de soleil. Non mais regardez-moi ça, mais à chaque fois ça m'époustoufle quoi, les graphismes de ce jeu. Bon bah, du coup on va refaire équipe avec Arnaud, Sophia, ou Sophie, je sais plus, et Lucas. Bon, trop cool, on va aller chercher Hugo. Sophia et Lucas? Secoué, mais ça va. Le garçon, c'est lui qui a nettoyé tes plaies. Il est doué. Ils sont partis trouver des vivres à l'épave. Je suis si heureuse qu'ils soient en vie. Ils seront contents de te voir. Bah j'espère bien, ouais. Parce que c'est moi qui fais tout depuis le début. Doucement. Ne va pas rouvrir cette blessure. Oui. Je crois que ta potion commence à agir. Quand je pense que j'aurais pu tuer cette ordure de comte. Tu ne pouvais pas gagner ce combat, Arnaud. Mais c'est trop beau, regardez-moi les détails des graphismes et tout. Oh là là, vraiment, je suis subjuguée. Il est foutu. Il naviguera plus jamais. Un bateau, ça se remplace. C'est la mer qui compte le plus pour Sophia. Tu comprends? Concentre-toi sur le plus important. Avant de le perdre. Merci. On va le retrouver. Tu parles comme un vrai chevalier, Arnaud. Non. Décidément, vous n'arrêtez pas de me surprendre. Où est mon frère, espèce de salaud? Il va rester en lieu sûr. Jusqu'à ce qu'il soit prêt à servir. Jusqu'à ce qu'il voie ta tête dans un sac. Jusqu'à ce qu'il sache que ce monde doit brûler. Ordure! Je m'occupe de lui. C'est hors de question. Écoute-moi, peu tête de mule. Pourquoi? Pour que t'aies droit à ta petite vengeance? Pour que tu puisses sauver ton frère, je vais lui faire avouer où est Hugo. Couvre mes arrières et reste en vie. Mais il est déjà là, le comte. Je croyais qu'il fallait que... Tu es la fille. Je pensais qu'il fallait que je traverse le pays pour retrouver Hugo, moi, mais il est là, en fait. Enfin, il est là. Le comte est là, du moins. Je suis avec vous, monseigneur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Lucas!
ça commence bien. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je comprends pas. Déjà, on va récupérer des... Quoi? Plaît-il? Ça commence bien, ce début de vidéo. Faut que je récupère des carreaux d'arbalète. Je suis avec vous, monseigneur. Les renforts arrivent. Attention, ils sont ici. Lucas, tu es blessé? Non. 1, 2, 3. Reste en vie. On va vous sortir de là. Faut que je cours. J'ai pas eu le temps en cours. Allez, c'est bon. Mais pourquoi je peux pas l'avoir? I'm dead. I'm already dead. Décidément. Décidément, ça va pas le faire aujourd'hui. Censés être tous les deux en même temps. Ok, lui, il faut que je le fasse exploser. Macron explosion. C'est bon, j'ai récupéré ma vie. Arbalète, arbalète. Comment est-ce que je peux l'avoir, lui? Ça marche pas, ça. Ça. Voilà, nickel. Ah, en fait, il a une armure anti-feu. Bah, ça y est. Il me croit morte. Il s'est livré à la Macula. Marseille. T'as amené l'enfant à Marseille après ce qu'il a fait à ta foutue île? La ferme. Je ferai le nécessaire. C'est trop tard! Maintenant, tout le monde est condamné et il... Arnaud! On doit partir, vite! Vous ne partirez nulle part!
la peau parce que là il y en a ras le cul de ce mec. Ah mais c'est pas fini encore. J'ai plus de flèche d'arbalète. J'ai plus d'arbalète. C'est bon, j'ai de l'arbalète. Tu peux m'expliquer comment t'arrives à me viser alors? Je crois que je l'ai eu, mais au pif, complètement au pif. J'ai plus d'arbalète là. C'est fini, ça y est. Ah, ça y est, il l'a eu, je crois, Arnaud. Non. J'y vois strictement rien. Non, il l'a pas eu encore. Faut peut-être que je l'ai, moi, non. Oh, où ça? Tu es trop vieux, Arnaud, trop vieux pour te battre!
Oh, tu n'es qu'un chien trop stupide. Amicia, à toi. Comment ça, à moi? Ah, mais j'ai que ma fronde en plus. Non, mais ça va pas. Voilà, crève, sale chien. Yes. De finir en beauté. C'est un bon petit gars. Et toi? Je sais. Toi? Ça tuera le soleil. La nébula. Joli coup, vieil imbécile. On te doit tous beaucoup. Elle est partout. Les rats vont tout envahir. Tu crois qu'on a encore le temps? Quelle importance? Allons-y. Laisse-moi faire. Je vais prendre les rênes. Il faut bien que je m'occupe. Combien de temps jusqu'à Marseille? Pas tant que ça, je dirais. Amicia, tu te sens bien? Non, j'aurais pu... Tu n'aurais rien pu faire. Je ne sais même pas comment tu tiens encore debout. T'as fait tout ce que tu pouvais. Il le savait, Amicia. Sans compter que tu lui as donné ce qu'il désirait le plus. La mort du comte! Non. Quelqu'un a aimé. Un vrai but. Oui. Il a sacrifié sa vie pour nous. Je ne laisserai pas être mort pour rien. Trouvons vite où est Hugo. C'est le souci. Marseille est une sacrée grande ville. L'explosion de Nebula a dû laisser des traces. J'ignore ce qui se passe là-bas. Mais Hugo doit se trouver à l'épicentre. Comment peut-on savoir s'il est encore vivant? Il y aura des signes. J'espère. Bienvenue à Marseille, bébé. Oh oh oh. Ce genre de signe? Oui, c'est lui. Mais ce n'est pas de très bonne augure. C'est quoi ce bruit? Ça vient de la ville? Ça vient du sol! Maman! On la trouve et on file. Eh ben dis donc. Hugo, il est en plein pétage de plomb. Qu'est-ce qui s'est passé? Fuyez dans les collines! Non! Non, vers la mer! Trouvons une barque! C'est quoi ces secousses? Ouais, j'avoue. Vers la mer, c'est pas con. Les rats, ils vont pas dans l'eau, je crois. C'est le choix ultime de la Macula. Bon, bah... c'est l'apocalypse. Il faut retrouver maman. Ta maman, je crois qu'elle va pas survivre. Supplie, lève-toi. Je peux pas. Ma jambe. Il le faut. On a besoin de plus de monde. T'es sûr que ça tiendra? Marseille! Ils sont en train de barricader la porte. Pourquoi? Parce que ces secousses viennent de l'autre côté. Mais... et les gens encore à l'intérieur? Ils sont déjà... Il y a une...
une autre porte plus loin, mais ces bottes de paille sont sur le chemin. Attendez, on a... ce canon. Tu sais t'en servir? J'en sais rien. Attends, tu pousses là. Ça doit être ça. J'ai compris, je crois. Alors vas-y. Vous êtes prêts? Mais pourquoi elle tourne là-bas? Mais c'est la porte qu'il faut défoncer, non? Puis viser la tourelle, puis appuyer sur... Ça marche pas. Ah wow. C'est... du feu grégeois? Oui. Le comte a récupéré des chariots de l'ordre. Et donc on va... au-delà de ces murs? N'y pense pas pour le moment. C'est bon, là on peut passer, non? À gauche. Allons-y, Sophia. Ouais, c'est bon. Parti. Ok, on va foutre le feu de partout alors. Par contre, je me demande bien ce que c'est que ces secousses. Qu'est-ce qu'il fabrique, Hugo? Hugo, tu te calmes là. Ces secousses ne viennent pas du sol. Non, ça vient des murs. Ils viennent des remparts. On dirait. My God. Son cœur les commande. Tu imagines combien ils sont? Alors c'est comme ça que ça commence. Quoi? Notre châtiment. Nom de oh là 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 là. Moi je vous le fais de partout. What? Oh là là. Au secours. My God. C'est trop kiffant. Putain, ils vont super vite en plus. C'est quoi ces chevaux là? Oh, oh my God. Mais pourquoi Hugo il nous attaque? Pourquoi Hugo nous attaque? C'est n'importe quoi là. Hugo, cette fois c'est bon, t'es privé de dessert. Je rigole plus. Pitié, pitié, ralentissez. Tiens bon. Je crois que c'est bon, non? Il a tenu. Il nous poursuit plus. Ok. On dirait bien. C'est bon. Oh merde, c'est pas bon. Vite, Sophia, vite. Je vois la porte. Allez les dadas, tenez bon. Oh là, oh là 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 là. Sous des pierres, mais sous toujours en vie. Bah voilà, qu'est-ce que je disais. Comme par miracle. Bon, bah, c'est peut-être parce qu'il y a des flammes autour de nous, mais... Ah, j'espère qu'ils sont en vie, les autres. Ça commence à bien faire, tout ça. La crise d'adolescence, là. Sophia, par ici. Ok, c'est bon, elle est en vie. Oh, elle a plus de bras, mais elle est en vie. Par contre, Lucas... Lucas... Linguini, oh il a envie. Ça va? À ton avis. Linguini est en vie, c'est génial. On y est. Je ne connais pas Marseille. Oh. C'est vraiment charmant cette saison. Allons retrouver mon frère. Effectivement, ça m'a l'air très charmant, Marseille. Ah, ça y est, c'est fini.